Bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors, je suis Antoine Chevalier, je suis le responsable du Data for Ops chez BPCUT. Je suis accompagné de Franck Domenech, qui est un team leader. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre démarche d'industrialisation de l'AIOps comme un axe d'amélioration de notre qualité de service. Alors, c'est un problème qu'on a pris sous l'angle du log management chez BPCUT. Puisqu'on avait un besoin pour nos équipes de pouvoir manager leurs applications, nos équipes opérationnelles, qu'elles soient production applicative ou équipes de développement logiciel. Et donc on a mis en œuvre une plateforme qu'on a appelée TIA, qui mêle le big data et le machine learning pour nous aider à nous améliorer collectivement en termes de qualité de service. Et on a beaucoup investi dans le passage à l'échelle, avec le fait de déployer vraiment largement, à large scope, notre offre de service. Alors comme je le disais, TIA, notre constat de base chez BPCUT, c'était de se rendre compte que nos applications, chaque jour, généraient un nombre d'événements extrêmement important. On générait énormément de logs, nos applications généraient énormément de logs, qu'elles soient des logs applicatifs directement en provenance de nos applications, ou bien des logs techniques qui proviennent des middleware eux-mêmes utilisés par nos applications. Et bien, ce volume de données extrêmement conséquent, on s'est aperçu que ça constituait naturellement une richesse. Et que si on arrivait à capitaliser un petit peu sur ces données, on pouvait améliorer notre qualité de service, bien comprendre comment fonctionnait notre SI, et par conséquent, en avoir une meilleure maîtrise. Du coup, TIA, l'objectif était de mettre en œuvre une offre de service réellement industrialisée pour passer à l'échelle. Dans un groupe tel que le nôtre, c'est parfois compliqué de faire percer des solutions. Et donc, TIA, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme basée sur la stack Elastic qui visait en premier lieu à transformer le quotidien de nos équipes, comme je le disais, en apportant des outils novateurs de log management d'une part, mais également d'alerting et de dashboarding au travers de cette architecture Elastic. On apporte beaucoup de confort à nos équipes dans leur quotidien et l'exploitation de leurs applications. Ensuite, il y avait réellement une démarche d'harmoniser nos méthodes de supervision et d'alerting. Le fait d'adopter une démarche d'offre de service commune pour l'ensemble de nos équipes, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et encore une fois, harmoniser la manière dont notre SI a été monitoré, c'était un sujet sur lequel on souhaitait travailler pour s'améliorer collectivement. Comme je le disais, l'enjeu c'était d'exploiter la valeur de nos logs, améliorer la qualité, dont on exploite nos logs pour améliorer notre diagnostic en cas d'incident, puisqu'en utilisant l'ensemble des traces générées par notre SI quotidiennement, on a la possibilité de détecter rapidement, en avance de phase, les premières anomalies, les premières dérives, et donc de prévenir les opérationnels qu'un incident se produisait. J'ai beaucoup parlé d'industrialisation jusqu'à maintenant parce que, encore une fois, parfois quand on met à disposition des équipes un produit, ça suffit pas, il faut les convaincre et les emmener en fait avec nous pour que l'offre passe à l'échelle et soit réellement utilisée dans un groupe tel que le nôtre à partir d'une certaine taille. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé sur l'automatisation et l'industrialisation de notre offre, que ce soit sur la partie de collecte de la donnée, mais aussi d'ingestion de la donnée, de préparation de la donnée et d'ingestion de la donnée, encore une fois, on a fait le nécessaire pour que notre industrialisation soit suffisamment importante pour qu'un déploiement massif puisse être possible. Et l'objectif, comme je le disais, c'était d'améliorer notre qualité de service avec un alerting proactif sur nos alertes, sur nos dérives, le fait de prévenir nos productions applicatives et nos développeurs de logiciels qu'une anomalie allait arriver, qu'elle commençait à se produire, ça nous permet d'arriver évidemment plus tôt dans les incidents et d'améliorer, d'intervenir avant que ça dégénère réellement. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on travaille aussi sur le fait de fournir un certain nombre de dashboards aux différentes équipes pour leur permettre de se rendre compte de l'état des applications en temps réel et qu'ils puissent voir le fonctionnement de leurs applications et les tendances. On vous présente dans ce slide les différentes briques sur lesquelles nous avons travaillé dans le cadre de notre offre de service qu'on a appelée TIA Core. Alors Core, c'est parce que l'offre de service TIA telle qu'elle est implémentée chez nous, c'est trois grands piliers, mais aujourd'hui pour des raisons de temps,
on va devoir faire rapide et je vais uniquement vous présenter notre brique Theia Core qui est la plus importante. Tout d'abord, quel type d'application on est capable de gérer avec Theia ? Eh bien, c'est toutes les applications exploitées par BPCEIT, donc toutes les applications du groupe BPCE, donc Populaire Caisse d'Épargne, exploitées par BPCEIT, qu'elles soient sur notre cloud privé ou legacy, hein, sur nos serveurs on-prem dans nos data centers. Ou sur nos clouds publics ou en OpenShift, on est en mesure de prendre en charge différentes applications. En termes de sources de données, j'en ai parlé succinctement, on s'intéresse principalement aux logs applicatifs en premier lieu, mais également aux logs techniques qui sont finalement les logs issus des middleware utilisés par les applications. Donc on peut parler de JBoss, de Tomcat, d'Apache, d'API Gateway et bien d'autres qu'on prend en charge également. Au niveau du format de données, on sait bien que les applications log parfois de manière relativement différente. Eh bien, là-dessus, on a une démarche assez simple. On est en mesure de prendre en compte un type de format brut, hein, peu importe sa structure. Mais on travaille avec les développeurs de logiciels et avec les productions applicatives à la mise en œuvre d'un format de données commun qu'on a appelé le JSON Nested Theia. Franck va vous en parler juste après. Et donc c'est un format de données qui utilise un dictionnaire qu'on a mis en place et qui permet de structurer d'une manière intéressante la donnée afin de l'ingérer et de pouvoir l'exploiter facilement par la suite. Ensuite, en termes d'industrialisation, un gros travail autour de la collecte de la donnée. On a mis à disposition des productions applicatives tous les outils nécessaires pour pouvoir déployer les différents agents Bits sur leurs infrastructures, pour pouvoir nous remonter d'une manière relativement automatique ou presque la donnée. Et on se repose sur ça, sur un bus de communication qui s'appelle Kafka, où en fait tout est auto-configuré. Donc la vision client, c'est qu'ils ont juste à déployer un agent en utilisant une API, et ensuite la remontée de log se fait de manière complètement transparente. Ensuite, le gros de notre travail, ça a été autour de l'ingestion de la donnée. On a mis en place un ETL qui s'appelle Logcraft, qui vise en fait à créer des pipelines d'ingestion de données en no-code. C'est-à-dire que, en fait, on veut masquer la complexité qui existe parfois, puisque l'outil habituel, hein, quand on fait de l'ELK, c'est plutôt Logstash. On a masqué la complexité de Logstash avec notre pipeline d'ingestion automatisée. Donc Logcraft nous permet d'industrialiser complètement l'ingestion de la donnée, créer des pipelines d'ingestion d'une manière complètement automatique. Encore une fois, on va vous faire une démo de ça rapidement. Et ça apporte beaucoup d'uniformisation et de reproductibilité. On gagne beaucoup de temps, on gagne du rapidité, on gagne du temps dans la rapidité de nos déploiements. Et enfin, après il y a la partie évidemment stockage. Dans notre offre de service, les clients peuvent choisir combien de temps la donnée reste présente, reste stockée. On a 6 niveaux de rétention qui sont proposés sur notre infrastructure Elastic Cloud Enterprise, hein, qui est sur nos data centers, nos 3 data centers. Au niveau de la consommation de la donnée, là encore une approche un peu industrielle, nous utilisons des Space Kibana qui sont dédiés. C'est complètement couplé avec nos IAM au niveau de la gestion des droits, donc les bonnes personnes accèdent aux bonnes logs, et on fournit tout un panel d'outils pour faire de l'accès via API, via Grafana, via Power BI, pour accéder à la donnée lorsque nécessaire avec d'autres outils. Et enfin, le machine learning, Franck va vous en parler juste après. L'objectif, c'est d'avoir une offre industrielle qui permet de déployer des jobs de machine learning. On a fait de gros travaux pour ingérer une data propre et correctement rangée, hein, dans notre plateforme. Et bien, c'est pour pouvoir déployer rapidement et à l'échelle des jobs de machine learning qui vont nous aider à détecter les dérives, à détecter les signaux faibles et permettre un alerting efficace des différentes équipes en les enrichissant, ces alertes, du contexte, en disant ce qui peut ce problème lorsqu'on peut le faire. Je cède la parole à Franck. Oui, donc, ce que disait Antoine, on a le temps nous est incompté, donc on a voulu faire quelques zooms aujourd'hui sur la partie industrialisation. Donc on a essentiellement travaillé aussi à partir d'un data catalogue. On a développé notre propre data catalogue, en fait, surtout pour mettre en place une démarche de data gouvernance, de gouvernance de la donnée. Donc ce data catalogue qu'on a développé, il nous a permis d'assurer, de démocratiser l'accès à la donnée, d'assurer la fiabilité et la récence des informations, contrôler la qualité des données. Je vais vous expliquer ça juste après avec un dictionnaire qu'on a mis en œuvre.
et qui est partageable avec tout le monde, collaborer efficacement grâce à une vision unifiée donnée de l'entreprise, et surtout faciliter la prise de décision à partir d'informations contextualisées et actionnables. Quand je parle d'actionnable, c'est bien évidemment dans notre data catalogue, on récupère l'ensemble des métadatas, et à partir de ces métadatas, on est capable de mettre en place des jobs de machine learning de manière industrielle. Donc voilà, aussi bien sur le log technique, applicatif, ainsi de suite. Le data dictionnaire, en effet, hein, c'est comment aujourd'hui on s'assure de la qualité de la donnée. Parce que la donnée, ce qui est important, c'est bien évidemment son typage. Je ne vais pas vous expliquer, hein, vous savez tous. Et donc, afin d'assurer un monitoring front to back, on a vraiment travaillé sur un dictionnaire commun avec nos équipes produits, nos équipes production applicative. Donc ce dictionnaire, aujourd'hui, il est issu d'une norme ECS, Elastic Common Schema. Mais bien évidemment, on est obligé de l'enrichir grâce à une gouvernance qu'on a mis en œuvre pour l'enrichir avec des besoins de type applicatif, donc des besoins bien précis. On fait bien attention de ne pas avoir une explosion de ces données dans ce dictionnaire, mais aujourd'hui, c'est via une gouvernance, on s'assure que toutes les données qui sont nécessaires soient présentes. Et comme on vous le disait, aujourd'hui, on s'appuie sur, ça nous permet de mettre en œuvre le JSON Nested TEIA. Voilà. La partie format de données, en fait, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'industrialiser, surtout de mettre à l'échelle. On connaît tous, hein, dans les logs, on a souvent des logs bruts, donc avec un log format. Et quand on regarde un pipeline aujourd'hui dans la gestion, il faut que, ben, entre une demande de travaux, des créations de pipeline, la partie test, recette, mise en production jusqu'à temps que la donnée soit consommable, ben, il se passe un certain temps. Lorsque je modifie une log brute, hein, elle est modifiée par l'équipe produit, eh ben, je suis obligé de repasser par ce pipeline. Là, ce qu'on a développé, c'est on a mis en œuvre ce qu'on appelle le format JSON Nested TEIA, Nested pour imbriqué, et qui s'appuie totalement sur notre dictionnaire. Et en fait, ce format-là, aujourd'hui, permet bien évidemment de créer la première demande de création de pipeline, hein, donc l'introduction, la création, le test, la recette jusqu'à la mise en production. Mais après, ça permet à toutes nos équipes aujourd'hui produits qui utilisent ce format d'être totalement indépendants, hein, en fait, sur la modification, le rajout de données dans cette log. C'est pris automatiquement dans notre pipeline et les données sont visibles directement. Donc c'est vraiment aujourd'hui un format qui est en train de se déployer partout chez BPCE. Ça nous permet d'uniformiser l'ensemble des logs. Donc c'est un gros travail aujourd'hui réalisé. Je pense que, comme en fait on n'a que 15 minutes et pas 20 minutes, on va devoir sauter un petit peu jusqu'au machine learning, je pense, pour se concentrer là-dessus. Tu veux dire un mot sur le... Ouais, je voulais dire un petit mot sur la partie ETL, si c'est pour la partie de revenir. Comme le dit Antoine, on a développé aussi, pour pouvoir se mettre à l'échelle, comme un groupe BPCE, on a vraiment aujourd'hui développé notre propre ETL, le craft. Et cette ETL, aujourd'hui, ça nous a permis de faire deux choses, de l'industrialisation, mais surtout la reproductibilité. Tout ce qu'on développe aujourd'hui avec cette ETL, on est sur des formats industriels, aujourd'hui, qui peut être repris par n'importe qui, et surtout, ça fait du no-code. Et on va jusqu'à la création des pipelines dans des containers dédiés Docker, hein, qui sont ensuite exécutés pour mettre à disposition la donnée. Donc c'est vraiment un travail où on a passé pas mal de temps, mais aujourd'hui qui a un gros avantage, et surtout nous permettre de se mettre à l'échelle. On va passer sur la démo pour tenir un peu le délai. Donc, le machine learning, bien évidemment, parce que tout ce qu'on fait, c'est quand même pour préparer du machine learning. Donc, on va assez faire assez rapide, il reste 2 minutes. Là, vous voyez, c'est un job de machine learning. Mon treble foncé, c'est un nombre de KPI, d'accord ? C'est les transactions effectives. Ça pourrait être sur n'importe quelle transaction. Et avec un algorithme de ML, on va mettre en place la zone de normalité. C'est la zone bleu ciel que vous voyez à travers. Et dès que j'ai une KPI qui passe au-delà de cette zone de normalité, je vais être alerté avec, bien évidemment, un niveau de criticité, hein, qui va être calculé avec des continues normalisations, et surtout on va être capable de donner du contexte. Pourquoi il y a cette erreur, qu'est-ce qui s'est passé, et permettre d'être le plus réactif possible pour nos équipes. Bien évidemment, tous ces jobs de machine learning qu'on déploie sont couplés avec nos outils d'entreprise, hein, TrueSight et ainsi de suite, pour permettre de réagir avec nos pilotages, les alertes 24/24, ainsi de suite. Exactement, donc, pour compléter ce que disait Franck, tous nos travaux d'industrialisation pour s'assurer qu'on a une data de qualité dans la plateforme, eh bien, c'est pour pouvoir arriver après avec de l'alerting pertinent et donc ces jobs de machine learning. Pour l'instant, on se repose sur la stack Elastic pour ces premiers use cases-là, mais on est également en train de développer nos propres algorithmes nous-mêmes pour pouvoir aller un peu plus loin que ce que propose le produit. Je vais essayer de finir rapidement. Voilà, ça fait 24 mois qu'on travaille sur ces sujets chez BPCUIT. Donc pendant ces 24 mois, il y a évidemment une longue phase de cadrage et d'installation, de paramétrage, de définir l'offre de service, les règles du jeu, hein, de ce qu'allait faire TEIA pour qui. J'ai pour l'habitude de dire que dans ces cas-là, il faut essayer de faire une offre de service qui réponde à 80% des besoins, mais pas 100%, parce que sinon on se perd dans la démarche. Et puis ensuite, très vite, dès qu'on a ouvert la plateforme, on est passé à une phase de déploiement en même temps
qu'on continue à travailler nos industrialisations pour ne pas faire voilà, un cycle en V trop long. On a nous-mêmes évolué en même temps qu'on ouvrait le service. Et donc, maintenant, ce qu'il nous faut poursuivre cette année, eh ben, c'est l'acculturation. Et donc, pour ça, on a mis en œuvre un parcours de formation en interne qu'on a appelé le Tech Lab, pour Teia Elastic Kibana. L'idée, c'est vraiment d'onboarder nos utilisateurs au travers d'un portail de formation relativement innovant, avec trois niveaux de formation, de débutant vers l'expertise, avec à la fin de chaque petite vidéo explicative, un QCM de validation et surtout des exercices directement dans un Kibana de lab complètement onboardé dans l'outil. Donc ça permet à tout à chacun chez BPC8T de se former sur l'outil et d'apprendre à en tirer profit. Voilà, on s'arrête là. Mais merci à vous. Merci à vous. Merci Antoine, merci Franck.